parti pour cette deuxième conférence de l'après-midi. Bienvenue à toutes et à tous. Et nous allons parler, nous allons poursuivre sur le thème de l'industrie 4.0, là, orientée beaucoup plus maintenance, maintenance prévisionnelle ou predictive maintenance, parce qu'on a des... Voilà, il y a une terminologie très précise, en tout cas dans ce domaine-là, avec une application très concrète chez Renault, hein, donc l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, incarnée ici par Dominique Marie, qui va nous expliquer plus précisément son rôle, et Eric Ocan de la société ACOEM. Vous allez voir, donc ACOEM, qui était un spécialiste spécialisé dans la maintenance 4.0, mais avec des spécificités, plus en IoT, en analyse vibratoire, etc. Mais ça, donc Eric va nous expliquer ça très bien. Donc messieurs, je vous laisse prendre le micro et la parole, et présenter tout ça. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Olivier. Donc moi je suis Eric Coquan, responsable des ventes sur la partie maintenance pour le groupe ACOEM. Donc effectivement, on va vous faire un retour d'expérience sur le déploiement avec notre client Renault d'une solution de maintenance 4.0. Et donc j'ai avec le représentant sur cette solution de chez Renault, Dominique. Bonjour, donc moi je suis Dominique Marié et je suis responsable de la performance des moyens de production. Donc ça peut être les presses, les centres d'usinage, les robots ou encore des extracteurs d'air. Donc on va parler plutôt de maintenance conditionnelle. Hein. La maintenance provisionnelle, c'est pas encore pour tout de suite. On a fait quelques POC, mais bon, on a encore du travail. Donc Eric, si tu veux bien, on va commencer. Donc effectivement, la maintenance prévisionnelle, ben, on en parle depuis 2016 avec l'industrie 4.0 et l'arrivée du big data. Et l'idée, c'était vraiment d'anticiper les pannes, de réduire les, enfin même d'éliminer la maintenance systématique, d'optimiser aussi le stock de pièces de rechange, enfin d'éliminer beaucoup de, enfin de réduire les coûts. On voulait aussi avoir une base de connaissances pour les pannes qu'on avait pu avoir. Et de ce fait, en prévoyant une panne, par rapport à cette base de connaissances, c'était de dire on a déjà rencontré cette panne, voilà quelles sont les actions qu'il faut apporter pour remédier au plus rapide et puis reprendre la production. Donc on a commencé des POC en 2016 dans ce cadre-là. Et on s'est aperçu qu'on n'avait pas suffisamment de données de panne pour pouvoir prévoir cela. Donc on a mis en place plutôt de la maintenance conditionnelle sur les presses avec la solution ACOEM, où en fait on a des résultats qui sont plus rapides à obtenir. Donc pourquoi sur les presses ? Ben une presse, ça coûte très cher et dès qu'on a un gros problème, ça peut engendrer plusieurs millions d'euros. Donc c'est pour cela qu'on a décidé d'instrumenter les presses. Donc voilà, réduire les arrêts imprévus, améliorer la fiabilité des machines et les coûts de maintenance comme on l'a vu. Vas-y Eric, passe. Et donc, pourquoi ACOEM ? Donc en fait, notre expert vibratoire avait mené un RFI et un RFP pour choisir la solution parmi d'autres. Et cette solution répondait à nos besoins. On avait besoin de monitorer en continu nos presses. Et puis aussi, on avait besoin de faire du monitoring vibratoire, de la surveillance vibratoire ponctuelle. Et donc, il y a l'outil Falcon qui s'y prête bien. Donc aujourd'hui, on a plus de 10 usines qui l'utilisent. Ensuite, il y avait une communication qui était possible avec la solution DizzySoft pour la collecte des données de fonctionnement, et ce qui nous permettait de faire des corrélations avec les données vibratoires. Donc, moi, je vais faire un petit zoom sur... la partie plus globale qu'on propose aux industriels, donc qui n'est pas forcément ce qu'on a déployé en totalité chez Renault. Donc en gros, c'est basé sur un logiciel donc qui fait de l'acquisition de données et de l'expertise. Et on voit qu'on a un certain nombre d'outils pour faire des mesures, donc soit des appareils portables ou des capteurs connectés, des systèmes multivoix. Donc en fonction de l'application, on peut proposer différentes solutions.
éventuellement des dashboards donc qui sont pas forcément complets puisqu'elles sont ils sont liés à notre activité et ensuite on verra que Renault a développé ses propres outils derrière. Ce qui est important, c'est que la plateforme communique évidemment avec d'autres logiciels. Donc on parle d'industrie 4.0, finalement c'est la communication qui est importante et l'outil est l'OPCUA. Donc l'OPCUA, le CSV, bon évidemment les produits sont aussi interfacés avec d'autres protocoles type Modbus. Et donc cette plateforme permet d'échanger les données. Donc évidemment il y a des experts, mais il n'y a pas que des experts qui sont connectés. Elle est ouverte pour l'industrie 4.0 et donner la capacité à Renault par exemple de faire ses propres algorithmes, récupérer ses données et puis de faire d'autres outils. Elle est alimentée par une intelligence artificielle que nous développons. Un certain nombre d'outils sont intégrés soit dans les appareils quand ils sont portables, soit dans le système logiciel lorsqu'ils sont connectés. Et évidemment, on a des experts qui peuvent interagir avec les données, avec nos clients pour les aider dans l'utilisation. Donc, au sens général, finalement, il y a trois principales activités. Soit on délivre des produits, des services pour les opérateurs, donc plutôt du matériel portable. Soit on est plutôt dans la version IoT, on connecte les machines et les données remontent automatiquement. Et du coup, on développe des services autour de ces données pour aider nos clients à les interpréter. Donc voilà un petit peu la gamme. Donc comment on choisit les produits? Ben finalement, on les choisit en fonction de la criticité de l'équipement et puis de la périodicité de mesure. Sur une presse qu'on va voir juste après, les mesures doivent être faites quasiment en temps réel. Donc on est plutôt sur la partie droite, donc avec des systèmes connectés. Et puis quand on doit faire une mesure par an, l'intervenant en maintenance qui va démonter une pompe va faire une mesure avant démontage, une mesure après. On est plutôt avec des tablettes, avec des smartphones et des capteurs connectés. Donc on parle de maintenance proactive et préventive et maintenance prévisionnelle pour la partie plus haut de gamme connectée. Donc sur la partie presse, donc en fait on a lors des POC que Renault nous a demandé, on a instrumenté deux presses, une en France, une en Espagne, donc Flins et Valladolid. Et donc on a fait une première phase où on a ensemble déterminé qu'est-ce qui était opportun de suivre donc, pour pouvoir surveiller correctement ces machines, qui ne sont pas des machines simples puisqu'elles ont un fonctionnement évidemment compliqué. Et on a dû effectivement faire des traitements dans la partie logicielle pour bien pouvoir suivre les phénomènes mécaniques et prévoir les pannes. Donc on voit ici un exemple de signal. Vous voyez que c'est assez compliqué. Donc il y a des vibrations quand la presse fonctionne par son fonctionnement naturel, puisqu'elle va frapper avec l'outil une pièce mécanique, une pièce métallique. Donc on a la possibilité dans le logiciel de pouvoir enregistrer finalement tout un cycle. Et dans ce cycle de frappe, qui va se reproduire dans le temps, d'aller isoler les parties qui nous intéressent en fonction des phénomènes à suivre. Ce qu'on voit ici, par exemple, donc des zones où finalement la vibration est assez stable, on n'a plus d'interaction avec le procédé et on va pouvoir suivre correctement des parties de machine. Donc la partie amont pour suivre les problématiques de moteur, volant d'inertie, la partie ensuite ici également, et puis au milieu la partie plutôt presse. Et puis lorsqu'il y a des chocs, ben on essaye de les éviter et on peut identifier chaque choc une partie du process, donc du fonctionnement de l'équipement. Et alors évidemment ça, il faut que ça soit reproductible dans le temps, puisque le but de cette surveillance, c'est de regarder comment évoluent dans le temps les paramètres et de prévoir avant les pannes, les avaries, des interventions de maintenance pour remédier aux défauts et éviter une casse qui est lourde et très coûteuse. Donc voilà un petit peu
en quoi consiste le produit. Donc la problématique, c'est monter des capteurs sur les parties tournantes. Donc on voit des exemples avec deux types de capteurs qui sont montés. Le système d'acquisition qui réalise la collecte de données en automatique. Et puis le logiciel qui permet d'exploiter. Donc avec un certain nombre d'indicateurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous montrer. Donc finalement, on a un certain nombre de sous-ensembles dans une presse. Et chaque sous-ensemble va avoir des points de mesure, des indicateurs qui vont être calculés ou mesurés. Et ensuite, tout ça entraîne des règles de surveillance et de diagnostic qui correspondent évidemment aux défauts. Donc ici, on a un autre exemple où il faut effectivement régler les conditions de fonctionnement pour justement isoler les phénomènes. Donc en fait, on va trier les mesures au départ. On va avoir la capacité automatiquement de sélectionner en fonction des conditions les mesures qui vont être utilisées pour le suivi. Et ensuite, on va réussir à... sur un synoptique à déclencher des seuils, des alarmes par un code couleur et de tracer des tendances d'évolution. Oui, du coup, juste sur la slide qu'on a vue avant, donc, on a des paramètres qui sont définis, on enregistre, on surveille pendant un mois à peu près, et ensuite on fait une petite analyse et on ajuste les paramètres au mieux, les seuils de fonctionnement. Donc la surveillance vibratoire, au niveau d'une presse, on vous voyez là, c'est assez compliqué. On a un peu plus de 60 points de mesure si on voulait. Et avec la solution ACOEM, on fait le suivi de la cinématique supérieure, donc la motorisation et la partie presse, les coussins. Pour la partie hydraulique, on utilise la solution DizzySoft. Aujourd'hui, on a 113 presses instrumentées, pardon. Ça représente 92 boîtiers MVX et un peu plus de 2000 capteurs. Et depuis qu'on a mis en place cette solution, on a fait un gain on a fait une économie d'écorce à feuille dense de 2 millions d'euros. Donc par exemple, là, on a un rapport sur la santé de la P31 réalisé par un expert vibratoire. Donc avec cette solution, on voit facilement si les roulements du moteur sont usés, si les poulies sont mal équilibrées, un désalignement. Enfin, toutes ces informations-là, on peut le voir grâce à la solution ACOEM. Alors ça, ce sont les différentes configurations que l'on a chez Renault en fonction des presses, si elles sont plus petites, si elles fonctionnent plus. On peut mettre un boîtier pour une presse, on peut avoir deux presses de connectées sur un seul et même boîtier, ou sinon on peut avoir trois boîtiers pour une seule presse. Quand on a besoin de mettre pas mal de capteurs, donc on est obligé de mettre plusieurs boîtiers. Voilà, donc ça, c'est l'architecture globale. Donc on a un serveur en centrale où sont reliés tous les boîtiers MVX de chacune des usines. Donc le boîtier, lui, il est relié à ses capteurs, on le voit en haut à gauche. Il peut être relié directement à l'automate de la presse pour récupérer des informations comme l'angle, l'embrayage, ou alors on passe par le DizzySpy pour récupérer ces informations. On peut récupérer aussi la diversité. Donc là, on a toute la liste des presses, des sites sur lesquels on a des presses qui sont instrumentées. Enfin, c'est partout dans le monde. Et la solution, voilà, il n'y a pas de problème de performance avec le serveur qui est basé en centrale. En dessous, on voit les différentes applications ACOEM que l'on peut utiliser. Donc le Falcon, on a l'application Nest pour faire de l'analyse. On a le Nest Analyse XPR donc pour faire le paramétrage des boîtiers. On a le dashboard ACOEM pour avoir du monitoring temps réel. Et puis la dernière application, là, le MVX Status, on l'a développé en interne. C'est pour suivre la chaîne de mesure, avoir l'état de santé des chaînes de mesure. Parce qu'évidemment, si on a des chaînes de mesure qui ne fonctionnent pas, on n'aura jamais d'alarme et on n'aura pas de maintenance conditionnelle possible. Donc là, sur la partie... ça correspond à Nesticat, c'est la nouvelle solution de... la montée de version d'ACOEM qui expose les données au format OPC UA et qui pourront nous permettre au niveau du cloud de faire du machine learning. Tu veux rajouter ? Donc juste en complément, on donne accès aujourd'hui à une grille ici. Alors
pas adapté pour les presses, mais ici, vous avez le résultat de l'intelligence artificielle qui donne l'ensemble des défauts possibles par rapport au point avec un certain code couleur. Et ensuite, au niveau du texte, vous avez précisément le défaut de l'équipement avec la préconisation à réaliser. Donc aujourd'hui, ce système d'intelligence artificielle là, que je vous montre, c'est plutôt utilisé avec l'appareil portable pour les machines simples. Pour la partie online, on pourrait le déployer sur des machines simples, mais sur des machines type presse, il faudrait être en capacité d'isoler chaque équipement. Donc sur le moteur d'entraînement, par exemple, si on arrive à isoler sur une plage bien définie, de voir un petit peu comment réagit le système d'intelligence artificielle. Oui, vous avez une question ? Eh bien, en fait, c'est en fonction des défauts. Alors, vous avez, par exemple, ici, un défaut de balourd, défaut d'alignement. Ici, on a un défaut de fixation, je pense, parce que le dessin est pas bien dessiné. Et après, vous avez un nombre d'étoiles qui correspond à la pertinence du défaut trouvé. Donc ici, il y a trois défauts, par exemple. Il se peut qu'à la fin, ils disent qu'il faut aussi aller consulter l'expert pour clarifier les choses, parce que tout n'est pas complètement bien défini. Mais si vous avez un défaut 4 étoiles et vous n'avez rien d'autre, vous êtes quasiment sûr que le problème est bien détecté et que vous pouvez, en l'occurrence, si c'est un balourd, faire un équilibrage ou aller nettoyer avant de faire un équilibrage, vérifier. Si c'est un problème de roulement, il peut vous demander d'aller vérifier le graissage aussi. Donc là, on voit le graissage de roulement, par exemple. Et puis, si ça s'est confirmé, il faut remplacer votre roulement. Donc ça, c'est basé sur des mesures, ici. Donc ça, on donne accès depuis très peu de temps à l'ensemble de la solution à nos clients qui peuvent, vous voyez, on a le système expert, puis on a le système expert, on va dire, chez le client qui peut aussi corriger ce qu'a donné l'intelligence artificielle. Je m'explique, vous avez une machine qui est finalement verte ou rouge, c'est assez facile. Le vert, il n'y a rien, rouge, il faut intervenir. Et puis le jaune, est-ce qu'on est au début ou est-ce qu'on est proche du rouge? Donc là, il faut des fois l'avis de l'expert. Et l'expert peut corriger donc ce qu'a donné l'intelligence artificielle, remettre un petit peu la machine en verte. Et tant que la machine n'évolue plus, la fois suivante, on va faire une mesure, l'opérateur revient, le système d'intelligence artificielle aura pris en compte l'avis de l'expert, il ne va pas remettre la machine une nouvelle fois en jaune. Par contre, il y a une évolution qui s'est produite dans un signal, automatiquement, il la remet en jaune, ce qui va renécessiter la confirmation de l'expert. Donc, ce qui est important, c'est que cette matrice et toutes les données, on a la possibilité de les transférer aujourd'hui par OPC-UA ou .CSV vers d'autres applications. Donc, c'est de plus en plus demandé par nos clients industriels. Donc, Renault l'avait demandé avant tout le monde, ce qui nous a un petit peu entraîné dans ces évolutions-là. Et on verra que ici, on le fait à partir du logiciel, mais avec Renault, on a même un cran un petit peu plus loin, puisqu'on va le faire directement à partir du système d'acquisition. Donc, je redonne la main. Oui, justement, Eric, c'est cette partie. On a fait un co-développement avec AcoM et Ster5 pour avoir un serveur OPC-UA embarqué au niveau du boîtier MVX. Donc en fait, au moment où le serveur il démarre, il va aller récupérer la configuration que l'on a paramétrée au niveau du NexXPR. Donc on va récupérer tous les équipements et tous les paramétrages de fonctionnement de la machine par rapport au boîtier MVX. Bon, après, un petit peu de cybersécurité, on se connecte sur le boîtier avec un user mot de passe. Bientôt, on aura un serveur de certificat. Donc, les spécifications par rapport à ce serveur, donc on sait que l'OPC-UA est très normalisé, très structuré, notamment pour les instruments de terrain. Donc, on a une spécification qui s'appelle DI, Device Integration. En fait, quand on développe notre serveur, on importe cette spécification-là et automatiquement, on a le modèle de données qui est associé au boîtier, et notamment on a son état de santé. Et donc pourquoi l'état de santé? L'état de santé est défini par Namur N107. Donc c'est une spécification, une norme, un standard émis par Namur pour l'autodiagnostic du boîtier. C'est le boîtier qui renvoie son état. S'il est en
la croix rouge, donc ça veut dire qu'il est en état failed. Ça veut dire que c'est le niveau le plus sévère. C'est par exemple, le signal n'est plus valide, le capteur ne fonctionne plus. Le deuxième symbole, out of specification, c'est aussi un niveau sévère. Ça veut dire qu'on fonctionne en dehors des spécifications qui ont été faites, qui ont été paramétrées au niveau du boîtier. Par exemple, un capteur qui fonctionnera en dehors de ses plages de fonctionnement. Maintenance required, ça c'est un statut qui a une très faible sévérité. En fait, le signal est toujours valide, on peut continuer de fonctionner comme ça, mais il y aura une petite maintenance à prévoir, par exemple, dans le cas du boîtier MVX, faire une montée de version du firmware. Le dernier, check function, le signal n'est plus valide temporairement. Donc c'est aussi c'est une criticité, c'est pas très sévère. En fait, on a ce cas-là quand on change le paramétrage du boîtier MVX, et le temps que l'on fait ce paramétrage, en fait, le signal n'est plus valide. Et une fois qu'on a redémarrer le boîtier, de nouveau le signal est valide et le statut Namur s'en va. Donc un petit mot sur Stair5. Donc c'est une société qui fait partie de la fondation OPCUA. Ils sont vraiment experts dans l'utilisation de l'OPCUA. Il y a une stack qui a été développée basée sur Node.js qu'on utilise chez Renault pour remonter nos données dans le data lake. Enfin, sur notre cloud GCP. Aujourd'hui, là, on peut voir qu'on est à plus de 500 000 chargements de cette stack. Elle est utilisée vraiment partout. Et on a un développement complémentaire aussi. Alors, la stack OPCUA nous permet de faire à la fois des clients et des serveurs OPCUA. Donc, nous, on a développé un client OPCUA qui va scanner en fait tous les serveurs OPCUA que l'on peut avoir dans nos usines. Alors c'est pas un agrégateur, simplement il va scanner les données et après il va les regrouper pour les mettre sous forme de fichiers JSON qu'on va remonter à travers le Dataflow Aggregator jusque sur notre cloud GCP. Alors le déploiement OPCUA chez nous au niveau des boîtiers MVX pour la solution ACOM. Donc, on embarque maintenant un serveur OPCUA sur le boîtier. Donc on a un serveur OPCUA à chaque niveau. Et pour remonter l'information au niveau supérieur, il faut un couple client-serveur. Donc du coup, on a développé un client qui va se connecter sur chacun des serveurs OPCUA, chacun des boîtiers. Au-dessus, on a pour le coup un agrégateur où en fait on ajoute des règles métiers. Par exemple, le serveur OPCUA du boîtier MVX va nous dire que le statut est correct parce qu'on va avoir des informations concernant tous les indicateurs qui vont nous remonter. Mais par exemple, la vitesse va être inférieure à, je sais pas, 5 Hz par exemple. On va avoir une information qui est correcte, mais pour nous, ça ne veut pas forcément dire que la presse fonctionne. Donc on va faire une règle supplémentaire et dire voilà, si on est inférieur à 5 Hz, peut-être qu'on a un problème de vitesse ou peut-être qu'on a un problème au niveau du fonctionnement de la presse. Ensuite, une fois qu'on a ce serveur d'agrégation, on peut se connecter avec plusieurs autres clients. Donc on a au milieu là, la partie UA Expert. Donc ça c'est le client natif OPCUA. On a notre Dataflow Aggregator dont j'ai parlé juste avant, qui nous permet de remonter les données sur le cloud et après faire éventuellement de l'intelligence artificielle, du machine learning, faire de la maintenance prévisionnelle. Et après, en haut, à gauche, on a le dashboard qui nous permet d'avoir un monitoring temps réel de l'état de santé des chaînes de mesure. Donc savoir si pour chacun des boîtiers, si tous les capteurs fonctionnent correctement et si les boîtiers sont visibles sur le réseau. Donc voilà le dashboard un peu plus dans le détail. Donc pour chaque site, pour chaque presse, on a l'information de savoir si notre chaîne de mesure est opérationnelle. Donc là, on a aussi relié ce dashboard à notre GMAO interne pour savoir si en fait la chaîne de mesure
et opérationnel pendant que la presse doit fonctionner, pendant qu'il y a une production, pour éviter finalement de nuire au taux de service de la solution. C'est-à-dire que si on n'est plus connecté, si on ne voit plus notre boîtier et que la presse ne fonctionne pas, c'est pas forcément très grave en fait. Par contre, si la presse fonctionne et notre solution de monitoring n'est pas opérationnelle, donc là ça va avoir un impact sur le taux de service. Donc après on a l'état selon Namur, comme on l'a vu tout à l'heure, avec un vieillissement. La colonne IP, là j'ai masqué les adresses IP parce que j'ai pas le droit de les montrer, et donc on a le petit symbole qui nous dit si la presse elle est visiblement visible sur le réseau ou pas. Après on a une connexion avec notre solution DiziSpy lorsqu'elle est connectée pour aller chercher les informations et les paramètres de fonctionnement comme l'angle ou l'embrayage. Donc on a les informations pour le monitoring à la fois de la presse et de la partie motorisation. Et puis après, pour finir, on a un statut sur les capteurs. Donc on connaît en temps réel le nombre de capteurs qui sont en court-circuit, qui sont en circuit ouvert ou en saturation. Donc là, on ne le voit pas, mais le petit 1 qui est en rouge en bas, donc en fait, on sait sur quelle voie, si on va dessus, on saura sur quelle voie, quel capteur est impacté. Donc en fait, sur OPC-UA, avec UA Expert, on a une vue générique avec quelques informations là, sur le boîtier, les propriétés, les paramètres. Et ce que je disais tout à l'heure, avec l'intégration de Device Integration, on a un modèle qui est directement embarqué dans UA Expert et les informations, bah, quand elles sont renseignées, elles apparaissent directement. Donc c'est vraiment très facile à mettre en œuvre. Et en plus, on a pu intégrer avec AcoM le statut Namur. Alors, pour profiter de cette solution, pour exploiter au mieux la solution AcoM, on a une gestion centralisée de la supervision des équipements. Donc on a créé une control room en 2018. Et donc ils ont accès aux solutions de monitoring vibratoire. Et dès qu'il y a une alerte, c'est eux qui prennent qui font le niveau 1. Ils font une analyse, un diagnostic. Et si la panne est avérée, alors, on contacte les sites, on leur demande une intervention terrain, et s'ils le souhaitent ou pas, ben, en général, ils y vont, parce qu'après, bon, c'est une case de presse. Et donc, il y a un plan d'action qui est fait, enfin, c'est selon la boucle PDCA. Et donc, aujourd'hui, on a, au niveau de la control room, plus de 450 équipements qui sont monitorés, répartis sur une vingtaine d'usines. Et aujourd'hui, on peut dire que l'efficacité de la brique vibratoire est confirmée, et aussi de celle de la control room. En 2020, sur 59 alertes qui ont été émises, flash alertes qui ont été émises par la control room, on a pu éviter 30 grosses pannes. Et l'année dernière, on a pu en éviter 68. Alors, depuis le 1er janvier, là, la control room elle a été relocalisée à Flins. Donc voilà, on accueille aussi les sociétés, les grands industriels. Il y a Safran qui est venu visiter. Donc si ça vous dit de venir visiter la control room de Renault, vous êtes les bienvenus. Donc l'activité de la control room, comme je disais tout à l'heure, donc on a l'état initial avec la solution AcoM. Donc quand il y a une alerte, donc on a le monitoring qui nous permet de notifier ces alertes. On fait le diagnostic avec l'équipe de la control room. Donc voilà, on a un exemple de flash et alerte là qui est envoyé. On a une loupe, enfin c'est une liste unique de problèmes. Donc ils sont tous consignés dedans. Par rapport à ça, il y a une maintenance qui est réalisée sur site. Et après, on peut voir sur les spectres là, on voit qu'au milieu, donc on avait un problème. Et en fait, après l'activité de maintenance, la tâche de maintenance, on voit que de nouveau, on est dans un spectre normal. Donc, voilà. Donc ça c'est le type de rapports qui sont envoyés régulièrement au site, donc aussi bien en carrosserie montage qu'en mécanique. On fait un focus sur le taux de service, donc le taux de service est le taux de service de la chaîne de mesure, le taux de service de la solution, quand les presses sont opérationnelles. Et aussi on fait un focus sur le traitement des incidents. Et on a un point mensuel avec les sites où on passe en revue tous les incidents que l'on a eu pour capitaliser.
Donc l'organisation, ben voilà, on a des contacts sur tous les sites. On a un contact, un LTL, le Local Technical Vibratoire, notre premier correspondant. On a le CA maintenance, le chef d'atelier maintenance. Et on a le chef de département usine métier. Donc on classifie les flashs alerte selon trois catégories, selon les cas. Le K3, K2, K1, le K3 étant le moins sévère, le K1 étant le plus sévère. Et donc on a une chaîne d'escalade en fonction de ces sévérités. Par exemple, pour un K1, on va noter une forte amplitude au niveau des signaux vibratoires. Et donc on va pouvoir conseiller, par exemple, d'aller vérifier si les capteurs ils sont bien positionnés, ils ne sont pas desserrés. Par exemple, après une opération de maintenance, on peut avoir des problèmes. On peut demander de vérifier certaines parties de la presse, vérifier si les roulements ont des problèmes, s'il y a un problème d'axe. Voilà, moi j'ai fini. Donc, si vous avez des questions. Après un remplacement de moteur. J'espère que c'est pas dans les R5. Un, deux. Monsieur Ournon, Actemium Saint-Lô. Après un remplacement de moteur, est-ce que, vu que les données sont l'image de ce qui était, est-ce qu'on a des problèmes pour... vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de... Comment m'exprimer? Quand on remplace un moteur, vu qu'on a l'image exacte de ce qui a été fait, si on met un autre moteur, on ne va pas vraiment avoir la même image. On va avoir, avec votre expérience, on a la même chose ou ça pose des difficultés, il faut refaire un apprentissage? Là, on ne fait pas d'apprentissage, on fait de la maintenance conditionnelle. On fait de la surveillance vibratoire, mais effectivement, si on change le moteur, il ne va pas fonctionner exactement dans les mêmes conditions. Et au niveau du machine learning, il va falloir faire un réapprentissage, ça c'est sûr. Et même au niveau de la maintenance conditionnelle, il va peut-être falloir ajuster les paramètres de fonctionnement pour ajuster les seuils de fonctionnement, oui. Vous avez le partenariat qui fonctionne par rapport à ça? Ah oui, mais tout à fait. Après, on a un COEM qui est en support à chaque fois. Okay. On a une expertise technique. Bon, après, on travaille aussi avec le chef de production de la ligne, mm-hmm. évidemment, et puis avec un expert vibratoire. Mm-hmm. D'accord. Merci. Allô? Si c'est juste le remplacement du moteur, je pense pas que ça pose beaucoup de problèmes. Par contre, si on démonte toute la presse, je pense qu'on refait un état zéro. Bonjour. Bon, après, le moteur, il peut être différent, effectivement. Mais si c'est exactement les mêmes moteurs, les petites variations sont infimes. Ça nous arrive, effectivement, de recaler les alarmes, par exemple. Maintenant, si on fait une grosse intervention mécanique, il faudra refaire le kilomètre zéro. C'est comme ça qu'on appelle ça chez Renault, kilomètre zéro. Oui, parce que forcément, un moteur neuf ne va pas fonctionner exactement comme un ancien moteur. Quoi. Il y a l'usure qui est là et ce n'est pas les mêmes paramètres. Quoi. Bonjour. Ça marche? Oui. Vous m'entendez? Jean-Paul Souris, donc 50 ans de maintenance, dont 20 chez Renault. 10 à Billancourt et 10 à Sandouville. À Billancourt, j'avais même des places clearing, des blisses, etc. Et je faisais déjà de l'analyse vibratoire en 1971. Bien. Mais c'est pas la question. La question, c'est qu'il ne nous a pas échappé que Luc Julia, qui est le créateur de Siri et qui est maintenant directeur scientifique chez Renault, a écrit un livre qui dit « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Donc, vous me parlez d'intelligence artificielle, mais en fait, c'est quoi votre intelligence artificielle pour traiter les données qui viennent des capteurs? Vous avez raison, mais c'est du marketing. Donc, en fait, c'est basé sur l'expérience et donc les symptômes possibles d'une machine. Alors, je vous l'ai dit en préambule, sur la presse, c'est pas basé sur l'intelligence artificielle au sens diagnostic automatique. Ce sont plutôt des règles qu'on a bâties avec avec nos experts et puis ceux de chez Renault, l'expérience. Donc l'époque ont permis de bâtir ces algorithmes, ces traitements. Par contre, si on parle d'intelligence artificielle qui est embarquée dans un,
d'appareil portable aujourd'hui, qui est complètement opérationnel sans avoir d'historique pour une pompe, un ventilateur, un compresseur, etc. Là, on part d'une analyse de la cinématique. Donc, on donne quelques éléments de la cinématique, vitesse, charge, combien de roulements, etc. Et derrière, on a des symptômes possibles. Donc, on embarque par un réseau bayésien des symptômes. Donc, ça s'apparente un petit peu plutôt au système expert qu'à l'intelligence artificielle. Bien que, au plus de ça, c'est que nous, on a une base de données importante de par notre activité service, mais aussi on connecte nos clients experts, qui vont, eux, faire des diagnostics manuellement et qui vont remonter ces diagnostics dans notre base de connaissances. Et nous, on va corriger notre système d'intelligence pour qu'il prenne en compte toutes ces expériences des experts maintenance. Donc en gros, notre intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer l'homme, elle est là pour aider l'homme. C'est-à-dire qu'elle est au service de l'homme. Ça, c'est la grande différence que nous, on a par rapport à d'autres qui vont stocker des données et essayer de définir des algorithmes pour effectivement remplacer l'homme. Ok, je suis complètement d'accord pour vous sur les réseaux bayésiens. Par contre, le système complet vous permet d'identifier les causes de panne de la machine. Par contre, comment vous identifiez les causes premières, par exemple, qui peuvent venir d'une variabilité de qualité des tôles qui rentrent dans la presse? Je vais vous le redire, ça n'est pas utilisé pour les presses aujourd'hui. L'intelligence dont je vous parle, artificielle, elle est utilisée dans nos produits et aujourd'hui, Renault ne l'utilise pas sur les presses. Elle l'utilise sur les autres machines qui sont surveillées dans les autres usines. Mais vous avez bien fait une présentation sur les presses. Oui, et sur les presses, aujourd'hui, on va utiliser l'analyse vibratoire, on va utiliser les conditions de fonctionnement, on va avoir connecté les machines et à partir du POC que nous avons réalisé, on a défini des algorithmes qui sont complètement différents. Alors, il y a effectivement un petit peu d'algorithmes intelligents dans le Shock Finder, qui est un de nos traitements poussés, qui est utilisé aussi pour faire dans les réseaux magnésiens les autres diagnostics. Mais on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'on fait de la vraie intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur ce sujet-là. Alors, pas sur les presses aujourd'hui, plutôt sur l'éolien, où on serait en capacité d'avoir toutes ces données qui remontent et de faire de l'intelligence artificielle automatiquement. On va dire que c'est plus qu'un réseau bayésien. Il y a d'autres choses derrière. Et là, c'est en train de se développer. C'est à l'état de... Je dirais ça a déjà bien avancé. Parce qu'aujourd'hui, on suit beaucoup d'éoliennes et on n'a pas un expert qui, tous les jours, regarde chaque éolienne pour dire elle est verte, jaune, rouge. Donc, il y a le système qui, automatiquement, nous sort les machines à problème. Et ensuite, c'est... les algos, un petit peu comme sur les presses, que nous avons mis en place, notre expertise qui permet de dire, bon, là, on va s'orienter plutôt sur une problématique de multiplicateur et on va aller chercher l'origine du défaut de façon manuelle. Ok. En fait, on est dans un petit peu dans la facilité parce qu'on est dans des systèmes qui tournent, donc vibratoires. Ouais. Mais qu'en est-il de la surveillance de la robotique qui est complètement asynchrone? C'est un des sujets, c'était un des POC qu'on avait identifié avec Renault. La problématique avant de faire des analyses sur le signal, c'est prélever les mesures. Et aujourd'hui, prélever les mesures sur un robot, bah, c'est pas pareil que prélever les mesures sur une presse, c'est pas pareil que les prélever sur un moteur ou un ventilo. Eh bien, moi, si vous souhaitez, on peut en parler parce que moi, j'ai des solutions. Et ben, pourquoi pas. J'ai développé toute la robotique hydraulique. Et électrique, ACMA chez Rome. Et puis j'ai un partenaire qui a déjà des solutions sur ce sujet. Je crois qu'il y a plus de... Voilà. Vous me laisserez votre carte. Merci. Bravo Renault quand même. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors d'abord, bravo pour cette réalisation. Alors pour Jean-Paul, hein, l'intelligence artificielle, c'est le contraire de la stupidité naturelle. Hein. En fait, on a l'impression que c'est tout nouveau. En fait, ça date c'est très vieux, des années 90. Et en fait, je dois quand même souligner que ACOM, alors ça s'appelait pas ACOM, avait développé un outil qui s'appelait SurveAO, Vimex. Et donc, vous étiez précurseur et c'était des systèmes experts. Et le système expert est une des branches de l'intelligence artificielle. Système neuronal.
qu'on est en train de coupler, maintenant, qu'on est en train de rajouter à notre système magnésien. Alors, l'intérêt du système expert, c'est que justement l'expert pouvait abonder. Et donc, d'où ma question, est-ce que vous avez eu des fausses alertes ou des faux diagnostics? Et quel est le pourcentage de diagnostics corrigés par l'expert? À la louche, beaucoup? Un peu? En fait, ce que je disais tout à l'heure, en 2020, on a envoyé une cinquantaine de flash alertes et on a eu 38 qui nous ont permis d'éviter des... Enfin voilà, 59 alertes et on a évité 30 pannes. Et l'année dernière, 93 alertes, donc voilà, ça fait à peu près 30%. 30% de... Oui, non, ma question c'était par rapport à la diapo où il y avait du vert, rouge, orange là. Donc Eric disait que l'expert pouvait, pouvait dire que finalement... On ne l'a pas mis en place encore, nous, chez Renault, cette partie-là. D'accord, voilà, là, c'était de savoir... C'est un slide générique, donc je vous l'ai dit, je vous le redis, ce n'est pas celui qui correspond aux presses. D'accord. Celui qui correspond aux presses, il est là, donc vous voyez qu'il est bien plus compliqué, il est bien plus riche. Et aujourd'hui, on n'est pas en capacité de faire un système, on va dire, qui se programme tout seul et qui définit tous les défauts des presses. Donc ici, c'est les défauts des machines usuelles qu'on rencontre dans l'industrie. Les motopompes, motoventilateurs, compresseurs, etc., etc. Réducteurs. Et donc, ce principe-là est basé sur les réseaux magnésiens. Pour les presses ou pour l'éolien, on ne va pas utiliser... ce type de solution, on va plutôt être sur du monitoring classique et le système d'intelligence va être différent. Il va être en capacité de comparer les machines entre elles, puisque finalement on n'est plus dans les mêmes... on a beaucoup de données qui remontent. Beaucoup d'expérience. Voilà. Et on va être en capacité de... Alors l'idée c'est de sortir les machines à problème. Ce n'est pas forcément de sortir le problème de la machine. C'est de sortir les machines à problème. Et si on a 500 éoliennes et il y en a 5 à sortir, il faut les sortir tout de suite et pas sortir des machines qui sont vertes. Et au contraire, pas passer à côté de machines qui seraient à problème et de croire qu'elles sont vertes. Donc c'est là le problématique. Donc c'est de sortir finalement celles qui évoluent et ensuite de les mettre dans un protocole d'analyse manuel aujourd'hui. C'est l'homme, et je vous l'ai dit, la philosophie d'Acohen, c'est pas l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui râle. L'intelligence artificielle qui est pour remplacer l'homme et on stocke des données, on stocke des données et puis après on se remplace. Voilà. On se rend compte que ça fonctionne un moment, mais ça fonctionne pas de façon pertinente. Il y a beaucoup de fausses alarmes et d'erreurs. Nous, on est dans l'idée de sortir automatiquement pour l'expert les machines sur lesquelles il faut qu'il fasse une analyse. Bravo, parce que ça tue un peu. Donc, les fantasmes. L'intelligence artificielle au service de l'homme. Ce sont des systèmes d'aide au diagnostic. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ce ne sont pas des systèmes de diagnostic, mais d'aide au diagnostic. Et beaucoup de gens oublient que ce sont des systèmes d'aide au diagnostic. Ça va soulager l'expert pour les choses qui sont triviales, donc c'est parfait. Et lorsqu'il sera consulté, c'est que c'est un système, un problème non trivial. Donc c'est très bien d'avoir une approche de ce type-là. Il y a quand même de l'intelligence dedans et on a pas mal de data scientists qui bossent sur le sujet de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, sur l'industrie, on est peut-être... Nous, on a d'autres activités. Donc l'intelligence artificielle, chez nous, ce n'est pas que sur l'activité maintenance. C'est aussi nos systèmes de détection de tir. C'est des systèmes qui détectent aussi maintenant les systèmes de pollution, mauvaise trajectoire d'un avion qui fait du bruit, etc. Donc cette intelligence artificielle existe depuis longtemps chez nous. Alors, on résume en intelligence artificielle, c'est vrai qu'il y a plein de choses derrière, mais je t'invite à revenir à Lyon si tu veux aller un peu plus loin sur le sujet. Très bien. Bon, et puis vous pouvez aussi rencontrer nos deux intervenants donc à l'issue de cette conférence, puisque la prochaine démarre dans un peu moins d'un quart d'heure. S'il n'y a plus de questions, nous allons clore cette deuxième conférence de l'après-midi. Merci à vous deux pour cette conférence intervention très riche, en tout cas, d'informations.